OHD. Vous connaissez ce que ça veut dire? Oui, objectif hygiène développement. En forme même. Bien. Bon, demain matin, parce que nous fermons pour ta émission là et nous avons fermé côté site à vieux habitants, c'est dans l'inter-entreprise et nous savons qu'il y a fait, qu'il y a fait nous venir côté site là. Alors, en deux mots, qui je nous peux fermer ça avec la Guadeloupe? Alors, quand KP dit, ni tellement vite à dire, ni tellement vite à dire. Alors, déjà, si nous restons les dynamiques sportives en nous, en tant que dit, merci en pile de faire la jeunesse qu'on moi-même découvert que la santé, c'est aussi le sport. Merci en pile de faire ben, les plus jeunes aussi découvrir des sites qu'on vieux habitants parce que ça peut rare faire ou l'inter-entreprise arriver ici. Et puis, qu'a pour moi dit encore, on pas même savoir tellement inhibite à dire. Si faut moi t'ai parlé. Satisfait des journées là? Oui. En pile après ah oui, ou peut dire yes en content même. Pourquoi on ka dire en content? Tout simplement parce que si Mao Beach ou quoi voir. C'est un petit restaurant il est en train d'être ouvert, il est ouvert normalement mois prochain et nous trapper la chance et l'honneur que la Riviera du Levant m'a demandé nous mettre à disposition aussi en nous malgré le fait que nous pour côté bout à dans travaux en nous et ça fait mais constater doit être faite parce que la Riviera du Levant gagne jeudi là. Ouais. Alors ça permet nous aussi des quoi que demain un restaurant consi là qui est en train d'être ouvert peut faire bien plus intéressant, peut ouvrir des opportunités, nous peut trapper des ouvertures en tout cas on les pise habiter. Donc nous allons rappeler qu'ils ont ouvert le mois prochain mais nous trouver tout ça qu'il faut, tout ça nous n'a qu'à manger avant de plein. Alors nous allons trouver tout bien, nous allons trouver quoi faire j'ai. Comment nous trouvons manger local, nous qui trouvons manger aussi pour un peu français, parce que ça touristique en littoral, hein, c'est mon des fois une zone de sécurité, nous qui aussi bah, une zone de sécurité, nous prévoyons d'organiser des événements, si des week-ends ou bien des journées à thème, qu'on dit un peu plus tôt, pour nous ça mettre en lumière bon, ben, des journées telles que le 27 mai, mais également mener. Moun qui vient d'autre part parce que nous pas limité aux Antilles. Alors si faut m'te parler de moi, c'est très simple hein. Non, moi c'est Gemina l'oiseau hein. En quand qu'a fait dans la vie ben assistante commerciale et d'exploitation à d'Antilles entreprise qui a créé objectif hygiène développement, il a tiré râteau azote, il a tiré termite, il a tiré un petit nuisible nous pas gain aimé. Alors, sans qu'à travailler dans l'hygiène, à côté de ça, on y a en vie associative ou en vice-présidente dans l'association et que vrai pour un panel social, en tant que dit, côté monde qui besoin, qui panie les moyens et qui besoin aussi connaître des bitins qu'elle nous pas qu'à, qu'elle pas qu'à arriver connaître. Et puis, tout récemment, on vient co-associer à Simao Beach, un petit restaurant qui a accueilli les vainqueurs d'aujourd'hui. Et qui permet nous bâti en thème en la restauration en l'éviter comme ça enfin nous pas qu'à molli nous avancer nous essayer projeter nous même si nous gêne en cas penser que faut nous mettre en tête en nous que si nous pas y chercher pas bon monique y chercher bon nous donc nous qu'à y prendre et puis si bon y bon si pas bon nous qu'à recommencer nous pas la gagner. Date d'ouverture là, nous rappeler. Alors date d'ouverture là, juin prochain pour peut pas en date fixe hein, ouais. Mais c'est que juin prochain, les toutes réseaux sociaux qui apparaissent puisque c'est moi qui charge des communications là. Donc en qui fait paraître en les Instagram, en les Facebook, en les Snapchat de façon à ce que la population guadeloupéenne prend connaissance et vienne découvrir Kakisimao Beach. OK, nous remercions en pile. Judex, nous confirmer pour ta émission là. Mm-hmm. Nous passons un bon petit moment ensemble. Quand on y a ajouté. Alors, c'était une ambition à ajouter. Sans aucune façon, hein. On t'a envie de parler quand même d'un bouc qui quitte nous, ça fait un mois ou deux. Je vais parler de Cédric Cornet, qu'on connaît la famille très bien, parce que ma mère, c'est famille a un bon ami à moi, Franck Lasserre. Donc, c'est des mondes en fréquenté, c'est des mondes moins à Casaio, au-delà même de la politique, qui en fréquenté. Et véritablement, on a envie de t'y penser bail parce que c'est l'un des jeunes Guadeloupéens qui est vrai et qui était à dans ligne Guadeloupe. Parce que, tu vois, là, il était à Palau, il était aimé la jeunesse. Et un pays sans jeunesse, un pays sans racines. Et moi, depuis le plus jeune âge en moins, en toujours pour fait et cause pour le pays Guadeloupe. Moi habité à dans Sayoka Crier, Bijingwa, Jakarta, le camp patriotique. C'est là, en formé moi, si j'ai des jours,
on s'est saillé jour. C'est grâce à toutes ces organisations-là ça qu'on en fréquenté et aussi en fréquenté beaucoup d'associations. On a envie aussi de penser à un bouc qui formait beaucoup, Rosé Noël, parce que là aussi, nous avons tendance à la voir nous cavoler avec propre zèle en nous, oublier des mondes. Mais en tout cas, ça fait un plaisir que la Riviera gagner ici, Cédric, t'es là, là, ça te fait plaisir. Et ça te fait un plaisir aussi de voir à côté de nous. Parce que c'est la. Oui, on va penser, et très sincèrement, on va faire de démagogie. Hein, parce que là, on habite un bon, honnêtement, Alain. On va dire bon. Là, on n'est pas bon, on va dire pas bon. Mais c'est un petit jeune qui était en avenir. On connaît le dévouement moins vis-à-vis de la jeunesse guadeloupéenne. On savent qui m'en est apporté au sein à l'artisanat guadeloupéen. Ou savent que c'était un responsable, on a dit c'était parce qu'on partait à la retraite, mais du sud Basse-Terre et au vrai ça s'abaille. Là bas c'était jeune n'a pas parti par exemple à côté Babette, discuter tromper de Babette, ou qu'a bien vrai que ça a reviré en sud Basse-Terre et notamment à vieux habitants. Là où vrai nous tine la maison fumée. Ah ben, pour tout le monde connaît l'école là au niveau international, mais là on connaît la maison fumée, il y a un petit jambon fumé. Et puis c'est des gens qui ont coûté, c'est des gens qui ont pris conseil. Et puis Jodla, il a permis de prendre les médailles d'or. Donc Jodla, ne peut pas dire que le travail n'a pas fait. Jeunesse en moins, jeunesse à la Guadeloupe, qui répond tac au tac à d'autres jeunesses à grand pays. Parce que la Guadeloupe, pas seulement en peuple de terre de champions, mais nous tient aussi en terre de talents. Et Alain, vous voyez Jodla, hein, tous ces politiciens là, viennent là. Et peut-être qu'ils ont parlé blablabla, on ne pas connaître, mais c'est des boucs encore appréciés. Non, c'est en façon de dire, c'est de dire. Bon, Harry, son boucan toujours apprécié, Harry Salus. Toujours apprécié, monsieur, parce que monsieur dit non, on parlait à Guadeloupéens, on parlait à niveau à peuple là, on va retrouver très bien. Ça veut dire comme moi nous arrivons votre nom pas loin. Oui, mais en tous les cas aussi, on ne peut pas dire merci, Alain, parce que depuis nous connaître, nous, ça fait quelques temps, et nous toujours travaillons dans tout transparent, et vous connaître qui m'en aille, et moi, au service à la jeunesse, et à l'ancien, on appelle. On appelle à la jeunesse qui voulait, je l'entreprenne, dans la région à Sud-Basse-Terre, à bien expérimenter ça là. Et tous les talents peuvent venir. Je là, ils savent que c'est des gens qui ont Talbot Miel, qui ont travaillé avec Patiro, Mathilde Dirizo. Ils connaissent hein, les gens qui ont travaillé à côté d'eux et Kassabaï. Donc, je suis là à disposition à vous, et si vous voulez, venez. Ok? Voilà, pas de problème. Nous, mais en tout cas, merci. Merci, Alain. Merci. Merci. C'est pour moi prochain. Alors, pour mon mari Galante, ils savent que moi et mes autres, ils ont venu dans le restaurant là aussi. Ils ont compris qu'il y a un espace, Marie Galante. Ils ont compris qu'il y a un amour qui est entre moi et Marie Galante. Ils ont compris avec propre zi azot. Quand il y a un espace, il y a un espace Marie Galante. Et c'est l'espace ça, ça qui est plus belle. Très bien. Ok. Dis-nous quoi. Oui. Très bien fort. Merci un peu. Bien, eh bien, nous avons fait pour la mission. Là. Merci pour écouter Azote. Et nous avons passé. Si vous êtes à table, bon appétit. Pas mal de bout à droite Azote. Et puis nous avons dit que nous avons dit Murphy, Laurent, force courage. Je n'ai pas oublié que l'émission là, ça, c'était objectif hygiène développement qui offre Azote. Qu'est-ce que solide et à des messages arrivés.